ce soir? Sur laquelle je travaille est super intéressante, très enrichissante, et j'arrive petit à petit à prendre mes marques et à trouver un rythme entre les vidéos, l'alternance et maintenant mes deux petits bébés cochons d'Inde qui rentrent dans ce rythme effréné. J'arrive à trouver petit à petit mes repères et à gérer au mieux le quotidien. C'est vrai que ça me demande beaucoup de temps et mes petits cochons d'Inde me demandent beaucoup de temps aussi. C'est vrai que c'est des bébés, donc ils sont un peu plus fragiles à cet âge-là. Du coup, je suis un petit peu sur eux à les couver, les surveiller, vérifier que tout va bien pour eux. Et ça me prend beaucoup de temps sur mes soirées. Mais je le fais avec grand plaisir, évidemment. Tout ça pour dire que je vais bien. Je parle énormément pour dire pas grand-chose. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo lecture chuchotée. Je sais que vous aimez beaucoup ça. Vous m'en demandez régulièrement et c'est vrai que je me bataille toujours un petit peu avec les droits d'auteur et tout ça. C'est pour ça que je n'en poste pas beaucoup. J'ai peur de me faire strike à chaque fois que j'envisage de poster une vidéo lecture chuchotée. Et du coup, la plupart du temps, je reviens un petit peu sur mes positions et je ne poste pas de lecture chuchotée. Mais aujourd'hui c'est différent puisque aujourd'hui c'est l'auteur d'un livre qui m'a contacté pour que je lise un petit peu de son livre dans une vidéo. Donc c'est une dame qui s'appelle Jenny Richard et elle m'a contacté pour que je lise les premiers chapitres de son livre qui s'appelle La vallée des belles rencontres. Donc ce soir, on n'a pas de soucis à se faire concernant les droits d'auteur puisque l'auteur est de notre côté et l'auteur nous accorde un petit moment de relaxation grâce à son livre. Donc tout va pour le mieux, tout va bien. On peut s'endormir sur nos deux oreilles. Ressemble à ça. Voilà. La vallée des belles rencontres. Et là, c'est le petit salon de thé chez Léonie. Donc, je vais vous lire le petit résumé qu'il y a derrière et on va pouvoir commencer la lecture. Au cœur de la vallée coule un long fleuve, pas si tranquille. En octobre aura lieu la fête du tricentenaire de la petite bourgade de Château-sur-Foin. Pour l'occasion, toute la ville se mobilise afin de rendre cette fête mémorable. Le salon de thé chez Léonie, une institution du village, est devenu le théâtre des nombreuses préparations de cet événement et des histoires de chacun. Entre Mathieu, professeur dévoué, tombé sous le charme d'une de ses élèves, Marie et Katia, le couple traverse une crise où Léonie, dans le quotidien, est chamboulée par la passation de son salon de thé, et Edgar, qui ne la laisse pas si indifférente, tous semblent arriver à un tournant de leur vie. Réussiront-ils à saisir le bonheur qui s'offre à eux? Donc ça a l'air d'être un roman assez léger, assez agréable à lire. Parfait pour passer un petit moment de détente. Donc, si tu es d'accord, je te propose de t'allonger, de fermer les yeux et de t'imaginer l'histoire, de t'imaginer les personnages et l'environnement au fur et à mesure que je lirai ces pages, d'accord? Mets-toi à l'aise, mets-toi dans une position confortable et puis on va commencer. Si jamais l'histoire t'intéresse, sache que tu pourras retrouver le livre en description de la vidéo. Le lien pour pouvoir
fameuse ville de Château-sur-Foin prospérait là, prise entre les bois et les collines. D'ouest en est, la ville était traversée par un fleuve qui se séparait plus loin en deux vives rivières. À l'aube, lorsque le soleil se levait derrière les plaines, la lumière se reflétait sur l'eau et les habitations sortaient doucement de leur sommeil. Les ombres au pied des maisons s'étiraient comme des bras engourdis. Les volets s'ouvraient péniblement comme des paupières encore alourdies par la nuit. Les lampadaires s'éteignaient un par un dans les rues. Et plus haut dans les cieux, les étoiles disparaissaient dans les premières lueurs de matin. Les portes bâillaient, les rues tout sautaient. La ville s'éveillait de toutes ses cellules comme animée par une même énergie. Tout au long de la journée, on observait dans ses veines et ses artères un trafic dense mais fluide. L'unique feu rouge donnait la pulsation au rythme cardiaque de cette ville. Le soir, cette grande entité d'ardoise et de pierre retrouvait sa tranquillité et se replongeait dans un sommeil serein. Dès que les usines s'endormaient et que le vent prenait congé, on entendait de nouveau fredonner le courant. Chaque soir calme, cette mélodie revenait bercer les esprits derrière les fenêtres et les paupières closes. L'éclairage public reprenait sa place et arrosait de nouveau les ruelles de sa fine lumière. Les étoiles faisaient de même. Les maisons pouvaient dormir en toute quiétude sous le doux rayonnement des veilleuses électriques et célestes. Immanquablement, les journées succédaient aux nuits. Infatigablement, les mêmes rituels s'opéraient. Inlassablement, les personnes n'y voyaient rien à redire, et tous y trouvaient leur compte dans cette infernale routine. Cette bourgade ne comptait pas moins de 8340 habitants, et en compterait 8342 à l'automne, comme l'avait indiqué le médecin de famille à madame l'épouse du maire quelques semaines plus tôt. À cette même date providentielle se tiendrait l'anniversaire du tricentenaire de la ville. Château-sur-Foin était né il y avait 299 ans et 6 mois de l'union de deux familles aisées de la région. Les Cassoudan avaient fait fortune en travaillant la terre et le bois, et les Ilenmar avaient constitué la leur dans la pierre et le fer. L'héritier des premiers avaient épousé l'héritière des seconds, et ensemble ils avaient joint leurs forces pour bâtir Château-sur-Foin. Au cœur de la commune s'élevait ce qui était autrefois la première maison construite à Tillieu de la Ronde, à savoir la demeure des jeunes mariés. Il s'agissait d'une bâtisse bien trop coquette pour être qualifiée de maison, mais surestimée si on en parlait en des termes castraux. On s'accordait donc ainsi à dire que c'était un petit manoir pittoresque avec l'âme d'une forteresse. Ce château de cœur donnerait donc de son nom pour créer celui de la ville. Le couple dirigea la commune jusqu'à sa mort. Leur lignée s'éteignit 7 générations plus tard, quand la dernière des Cassoudan mourut en couche, emportant le nouveau-né avec elle. Le manoir fut transmis de père en fils jusque-là, devint par la suite un bien public. En hommage au fondateur, la demeure devint le nouveau fief de l'hôtel de ville, dont l'aile nord fut reconvertie en musée. Tout autour étaient dressées de charmantes maisonnettes aux toits pentus. Les murs épais en pierre taillée évoquaient le savoir-faire d'autrefois, et l'on reconnaissait facilement dans la sculpture des portes et des volets l'art des anciens. Peu de maisons pouvait se vanter d'avoir conservé les pièces d'origine, mais les descendants d'ébénistes avaient œuvré pour que la différence soit à peine perceptible. Les maisons poussaient en cercle concentrique autour du château et repoussaient, année après année, les limites de la ville pour creuser les bois et tapisser les coteaux. Limitées par le relief, les habitations avaient surtout évolué le long du fleuve, plus haut vers la source et plus à l'est dans les plaines. À Château-sur-Foin, on ne vivait pas spécialement vieux, on ne mourait pas non plus forcément jeune.
l'hygiène était correcte et le taux de criminalité relativement faible. Pour autant, la mort avait l'habitude de faucher ses clients quand ils étaient encore vaillants de corps et d'esprit. La population était à l'image des maisons, sinueuses, caractérielles, souvent fortes et parfois même décrépites. Chacun apportait un charme certain et un certain lot de contrariété. Tout le monde se connaissait et portait une attention particulière à son prochain, même si la proximité pouvait étouffer les plus solitaires. C'était le genre de communauté où il faisait bon vivre. Chapitre 1. Le café et le repos. Le doyen du village s'appelait Edgar et avait 82 ans. Hormis un genou, parfois un peu branlant, Edgar était en très bonne santé. Il avait trouvé un équilibre entre l'élégance et la prudence et ne sortait jamais sans sa canne. C'était un homme de lettres réfléchi et discret. Avec le temps, sa bibliothèque personnelle s'était enrichie et rivalisait désormais avec celle de la ville. Il chérissait ses livres. Ensemble, ils avaient vécu bien des aventures, engloutis par son fauteuil. Il avait connu la guerre, disait-il, aux jeunes enfants du village qui venaient subtiliser ses fruits. Sous cette fausse menace, il appréciait avoir de la compagnie humaine, même si elle était de courte durée. Il riait de bon cœur et se remettait à genoux pour désherber le sol. Il cultivait deux choses, son savoir et son jardin. Tous les lundis et les jeudis après-midi, il allait chez Léonie, un café en ville, retrouver ses vieux amis et Léonie. Léonie, de 8 ans, sa cadette, servait le meilleur café du quartier. Elle avait perdu son mari dans un triste accident domestique. L'homme, à l'aube de ses 60 ans, était parti sans douleur tandis que le gaz de la cuisine emplissait ses poumons. La veuve n'avait jamais refait sa vie, jugeant intérieurement ne pas avoir la force de tromper son défunt mari. Depuis, elle vivait seule jusqu'à l'arrivée de Duchesse, une chatte blanche à la fourrure soyeuse, qui était venue la trouver il y a quelques années, un jour de neige. La pauvre bête frigorifiée s'était blottie contre ses jambes, puis contre la cheminée. Elle n'était jamais partie depuis. La chatte était devenue la mascotte du café et échangeait volontiers un ronron contre une lichette de crème pâtissière. Elle avait même réussi à séduire Charlie, le petit-fils de Léonie. Il avait été embauché un été pour s'occuper et son excellente prestation avait convaincu Léonie de le garder. Elle pouvait compter sur lui en toute occasion et reconnaissait volontiers qu'il lui était d'un grand secours. Ainsi, deux fois par semaine, des sourires timides s'échangeaient entre Edgar et Léonie. Un tendre lien s'était créé sans qu'aucun ne fasse le premier pas, par respect sans doute. Edgar s'était mis au café il y a 4 ans, quand un ami l'avait traîné jusqu'ici. Pour le sortir de ses plants de tomates. Hébété par la présence de Léonie, il n'avait pas jugé bon de refuser la tasse de café et avait même ajouté qu'il adorait ça. Par la force des choses, c'était devenu vrai. Nous étions en avril, la célébration du tricentenaire arrivait dans moins de 6 mois, et le comité des fêtes de la ville avait dépêché une équipe pour faire les choses en grand. Un jeudi, Edgar reçut un courrier tamponné de la mairie. Une simple lettre signée de la main du maire qui lui demandait, en qualité de doyen de Château-sur-Foin, de faire un discours le premier jour de la fête du tricentenaire, le premier week-end d'octobre. Être l'aîné du village devrait m'exempter de ce genre d'activité, maugréa Edgar. Puis un sourire malin s'affigea sur son visage et il reprit, puisque je vous ai tous vu naître. J'ai quelques secrets de polichinelle en boutique. Jugeant avoir largement le temps de l'écrire, Edgar remit à plus tard son discours. Avec ses amis, ils reprirent leur activité favorite, à savoir remplir la grille de mots fléchés donnés avec la gazette de la ville. Chacun avait son exemplaire et se hâtait de finir le jeu en premier. Le dernier offrait une tournée de pâtisserie. Ce jour-là, la bataille intellectuelle fut plus dure à mener pour Edgar. Bien trop déconcentré par les allées venues de Léonie, ce qui n'échappa pas à ses deux compères. Edmond et Ernest gagnèrent le défi et déjà repus choisir de donner
donné engage à Edgar. Filou mais pas méchant. Pour dessous, les deux amis réfléchissaient depuis longtemps. Edgar, prêt à découvrir ton gage, commença Edmond. Tu vas voir, tu vas adorer. Continua Ernest, espiègle. Nous avons bien réfléchi et on pense que tu devrais tenter ta chance avec Léonie, glissa Ernest à voix basse. Tu dois l'inviter à sortir, proposa Edmond enjoué. Edgar resta bouche bée tout du long. Cet échange le déstabilisa. Il n'avait jamais franchement parlé de ses sentiments pour Léonie à ses amis. Il ignorait même qu'ils en parlaient. Edgar pensait qu'ils étaient arrivés à un âge où les histoires de cœur faisaient partie de leur passé, pas de leur avenir. Tu as été très comblé, mais ta vie n'est pas finie. Tu peux encore t'amuser. Parle-lui. Le vieil homme entendait ce qu'on lui disait. Son visage passa d'une expression motivée à une moue défaitiste. Mille questions le taraudaient. Pour autant, c'était un très bon perdant. Il relevait toujours les défis. Alors il allait écouter ses amis. Entre ces mêmes murs, à quatre tables de là, travaillait un comptable. Gatien avait 34 ans et fuyait la solitude. Il n'avait jamais investi dans un bureau et préférait une compagnie bruyante à pas de compagnie du tout. Léonie lui réservait immanquablement sa table près de la fenêtre tous les jours de la semaine. Pour le geste, il lui avait proposé de payer un loyer. Elle avait ri et lui avait resservi une part de tarte aux prunes. Gatien rentrait chez lui seulement quand il était sûr que sa femme y était aussi. L'unique chose qu'il aimait plus que les chiffres était sa ravissante épouse et, éventuellement, sa précieuse collection de timbres. Marie était institutrice de l'autre côté de la ville. Les enfants étaient pour elle ce que la comptabilité était pour son mari. Malheureusement, ils peinaient tous deux à avoir les leurs. Il était attablé avec une montagne de feuilles, une calculatrice et quelques crayons. Dans un angle de son plan de travail se tenait une tasse de café et une assiette à dessert. Léonie veillait continuellement à les réapprovisionner. Il n'était pas rare pour la clientèle de Gatien de trouver quelques miettes de pâte feuilletées dans leur compte. « Vous aussi vous êtes réquisitionné pour le tricentenaire ?» lui demanda Léonie. Gatien avala sa gorgée de café tout en acquiesçant. « J'ai reçu un courrier en début de semaine pour la réélection des membres du comité. Ma demande pour être trésorier a été approuvée. » Je vais donc gérer les dépenses des festivités. En voilà une bonne nouvelle. Cela mérite bien une part de tarte, s'exclama-t-elle en le réservant. J'imagine que Marie est contente. Elle va faire jouer sa classe cette année. À chaque célébration, quelle qu'elle soit, Marie faisait participer ses élèves avec une petite pièce de théâtre, un spectacle de danse ou un récital. Cette fois-ci, Marie avait en tête quelque chose de différent et de plus grand. Elle avait imaginé travailler de concert avec les autres établissements scolaires de la ville pour offrir au public une représentation artistique grandiose. Elle se rendait chaque samedi d'avril aux archives de la ville pour rassembler toutes les informations possibles sur ce qu'était la vie il y a 300 ans. Les habitudes alimentaires, les tenues vestimentaires et même le jargon de l'époque intéressaient l'institutrice. Elle désirait s'imprégner de leur passé pour le faire vivre une nouvelle fois. Puis, elle alla acquérir le comité des fêtes avec différents ouvrages et représentations iconographiques pour illustrer son idée. À l'unanimité, les membres du conseil applaudirent Marie pour l'encourager dans son projet. Et donc, sur la place de l'ancien hôtel de ville, nous recréerons les décors d'antan. On mettrait de grands panneaux peints, on ferait même venir des chevaux du centre équestre. Les enfants porteraient des costumes. « Tu vois ce que je veux dire, Cadou ?» expliqua Marie à son époux, avec un enthousiasme débordant. « Je ne suis pas très sûre, mais continue. » Il écoutait expliquer comment ses collègues, les enfants et elle réussiraient à restituer à Château-sur-Foin son image d'autrefois, le temps d'un week-end. Il la regardait parler en agitant ses mains, assis là en tailleur sur le lit, l'obscurité naissant dehors, les volets encore ouverts. Son écoute attentive la faisait rire, et son rire le faisait tomber amoureux, encore et encore. Marie avait passé toute une batterie d'examens pour comprendre pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Impuissant devant les résultats, son médecin lui avait prescrit une vie normale. « Vivez votre vie, et cela vous tombera dessus un jour sans prévenir, comme
comme la vérole sur le bas clergé, si je puis dire. Sa familiarité avait fait sourire Marie. Elle avait sorti son carnet et noté cette expression de notre temps. Chapitre 2. Le rêve et l'impatience. Château-sur-Foin comptait 3 écoles maternelles et élémentaires, 2 collèges et un lycée. Jusqu'à récemment, ceux désireux d'étudier dans le supérieur devaient quitter la ville et se rendre à la capitale. Mais depuis 2 ans maintenant, le lycée de Poisonterre offrait la possibilité à des étudiants de venir valider un semestre entre ses murs. Il y en avait dans des domaines variés, comme la littérature, les langues vivantes, le tourisme ou encore la biologie. Une poignée d'enseignants travaillaient donc à présent sur les 2 tableaux. Un professeur tout juste diplômé avait préféré s'éloigner du train-train de la grande ville pour se retrancher dans des contrées plus verdoyantes et plus calmes, pour le plus grand plaisir de ses concurrents qui visaient un poste en agglomération. Pour un biologiste, il était préférable de se rapprocher des champs que du béton. En plus de ses classes de première et de terminale, Mathieu avait donc à charge un petit groupe d'étudiants à qui il devait inculquer quelques rudiments en biologie forestière. L'enseignement était séparé en 2 volumes horaires, un théorique dispensé en classe et un autre plus pratique, sensible, interactif, donné lors de leurs escapades en forêt. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les élèves étaient prévenus. Ils ne seraient pas ménagés. Sur la liste de fournitures scolaires, Mathieu demandait expressément, en plus du matériel de bureau, une paire de chaussures de randonnée, un manteau imperméable et une bouteille isotherme. Le semestre commença début janvier, après les réjouissances habituelles du premier de l'an. Des 7 élèves, une seule était originaire d'ici, les autres venaient de tous horizons. Gwen fêta ses 21 ans la semaine précédant son emménagement à Château-sur-Foin. Elle accueillait ce changement comme une occasion de voir le monde, d'apprendre et de se faire de nouveaux amis. Après une licence en art, Gwen n'était pas encore prête à travailler. Elle avait soif de connaissances. Elle ne voyait pas ce nouveau cursus comme une réorientation, mais comme une continuité. Elle voulait comprendre comment était fabriquée la nature, afin de mieux en représenter la beauté. Gwen était impatiente. C'était un petit bout de femme plein de rêves et d'espoir. Elle était d'une curiosité sans limite et émerveillée d'un rien. Elle travaillait fort aussi pour cacher ce qu'elle croyait être un vilain défaut, une sensibilité à fleur de peau. De son côté, Mathieu était un de ces enseignants fougueux qui espéraient chaque année faire naître chez l'une de leurs brebis une vocation d'explorateur ou mieux de professeur. Il aimait passionnément son métier et on le lui rendait bien. De Gwen ou de Mathieu était le plus enthousiaste. Nul ne saurait le dire. Bonjour à tous, je suis Monsieur le Prince, votre professeur en biologie des écosystèmes forestiers. Je vous souhaite tout d'abord une bonne année et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver en ville. J'espère que vous vous y plairez. Avant d'aller plus loin, je vais faire l'appel. À l'évocation de son nom, Thomas leva la main et sourit. Il était donc le premier sur la liste. En même temps, dans un si petit effectif, la probabilité de ne pas être le premier n'allait pas en sa faveur. Pyromane, une fille aux cheveux blonds dorés, s'écria « Présente ». Elle surprit sa classe avec un tel enthousiasme. Le nouvel an ne semblait pas avoir un impact sur son métabolisme. Un second Thomas leva également la main. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au premier Thomas. Celui-ci lui rendit son sourire et se fit une réflexion sur la probabilité. 2 individus dans un groupe de 7 portent le même prénom. Derrière, Maxime Bourdouilla, un timide « Bonjour ». Mathieu lui répondit machinalement. Juan se montra plus franc et doubla la main levée par un oui presque trop brusque. Luc se restreignit aux quelques doigts agités qui dépassaient de sa manche. Gwen à elle, Gwen, le coupa-t-elle. Tout le monde m'appelle Gwen, monsieur. Mathieu leva le nez de sa liste et regarda Gwen. Il détailla son visage. Ses yeux étaient d'un vert semblable à celui des feuilles du Fagus sylvatica, le hêtre commun en été. Une petite touche de maquillage soulignait la profondeur de son regard. Quand il vit ses pommettes rougir, Mathieu revint à la réalité, détacha son regard d'elle et le posa lourdement sur ses dents. « Oui, bien sûr, pas de problème, balbuza Mathieu.
Nous allons donc nous voir chaque semaine jusqu'à la fin de l'année scolaire. En juin, reprit-il, puisque nous allons passer beaucoup de temps ensemble, je pense que c'est important d'en connaître un peu plus les uns sur les autres. Je vais me présenter rapidement et je vais vous demander ensuite d'en faire autant. Après cet échange, Mathieu donna son premier cours de l'année, un second avec sa classe de terminale et rentra chez lui. Il repensa aux premières impressions laissées à ses étudiants. Il était plutôt fier de lui, mis à part ce léger malaise qu'il s'efforça de vite oublier. Mathieu lut quelques pages d'une revue bimensuelle scientifique et s'endormit en imaginant son prochain cours. Le lendemain matin, profondément endormi, Mathieu n'entendit pas son réveil. Il se leva donc à la dernière minute et ne prit le temps ni de déjeuner, ni de se coiffer, avant de sauter dans sa voiture et de rejoindre sa classe qui l'attendait depuis quelques minutes à peine. Allumez le vidéoprojecteur, je reviens tout de suite, lança-t-il au groupe avant de disparaître dans le couloir, en direction de la machine à café. Mathieu avait la tête posée contre la vitre de la machine et attendait que le gobelet se remplisse. Il avait l'esprit aussi embrumé que la vitre qui le séparait de son doux nectar. Je crois que c'est bon, monsieur, vous pouvez le prendre, dit une voix. Pardon, dit Mathieu en se redressant. Le café, monsieur, répéta Gwen avec un léger sourire. Ah, bonjour Gwen. Oui, le café, merci. Et monsieur, je vous prie de m'excuser pour mon retard. Oh, ne vous en faites pas, je viens d'arriver. Panne de réveil. Et vous? Panne de GPS. J'ai encore du mal à me repérer en ville, répondit Gwen en se frottant la nuque. Aucun problème. J'espère que vous aurez un meilleur sens de l'orientation dans les bois, dit-il en riant. Allez, venez. Puis tout se brouilla, une mélodie se fit entendre dans le couloir, et Mathieu se réveilla. Il se frotta les yeux, mit ses lunettes et éteignit son alarme. Il se releva et s'assit dans le lit. Voilà que maintenant je rêve de mes élèves. Le professeur se prépara tranquillement. Il but sa tasse de café, émailloté dans sa couverture, assis sur sa terrasse. Les matins étaient encore bien frais. Le soleil émergeait par-delà les pins et ne donnerait pleinement sur la vallée que dans une heure ou deux. Il mit de l'ordre dans ses cheveux, attrapa ses clés et alla se présenter devant sa classe qui était déjà réunie devant la porte à l'attendre. « Gwen, vous avez trouvé le chemin facilement. »« Oui, monsieur, pourquoi ?» demanda-t-elle sur un ton hésitant. Aussitôt sa question posée, Mathieu se sentit désorienté. Il peinait à faire la différence entre son rêve et la réalité. Non, pour rien laisser, répondit-il en passant la clé dans la serrure. Bonjour à tous, installez-vous. Quelqu'un peut-il m'allumer le vidéoprojecteur, s'il vous plaît? La journée se passa et laissa une sensation désagréable à Mathieu. Il avait fui le regard de Gwen pendant tout le cours. Il ne voulait pas réitérer la maladresse de la veille. Il ne savait pas non plus comment interpréter son rêve, lui qui croyait au pouvoir de l'inconscient. Il se rassura en se disant que, au moins, son rêve était innocent, qu'il n'avait rien à se reprocher. Ce soir-là, Mathieu vérifia trois fois son réveil. De son côté, Gwen avait également trouvé le comportement de son professeur étrange. D'abord, il l'avait fixé du regard, puis le lendemain, il lui avait fait remarquer précisément à elle seule qu'elle était bien arrivée. Gwen se demandait ce qu'elle avait bien pu faire pour attirer l'attention comme cela. Tu avais peut-être un truc entre les dents. En l'espace d'un cours, Gwen s'était fait une nouvelle amie en la personne de Romane, sa camarade de promo. Solidarité féminine oblige, les deux représentantes du beau sexe avaient formé une alliance. À mi-chemin entre leurs deux appartements, Gwen et Romane s'étaient installées au bistrot Double Cœur, élu quartier général jusqu'à nouvel ordre. Les milkshakes et les brownies y étaient bons. L'horreur, dis-le-moi si ça m'arrive. Enfin, peu importe. Demain, je vais me faire la plus discrète possible. Il va en oublier mon existence. Surveille mon sac, je reviens, lança Gwen en cherchant les toilettes. Ne t'inquiète pas, ça ne risque pas ici. Le quartier est sympa, la rassura Romane. Tu vis ici depuis combien de temps? Depuis trop longtemps. File, je te raconte après. Romane avait 2 ans de moins que Gwen, n'avait pas quitté Château-sur-Foin depuis qu'elle y avait aménagé. C'était la première année qu'elle étudiait dans le supérieur. Elle rêvait d'aventure, de quitter la région, ou ne serait-ce que de goûter à la vie en solo. Depuis la mort de leurs parents dans un accident de voiture, Romane vivait avec sa sœur Suzanne, son mari William, monsieur le maire, et leur petit
petit garçon dans une somptueuse maison de ville sur la rue principale. En quelques semaines, les filles prirent l'habitude de se rendre double cœur après les cours et janvier fut englouti. Roman estimait que l'on n'était jamais trop vieille pour prendre le goûter et profiter du wifi. Monsieur le maire avait chez lui accès à internet mais n'offrait pas de succulentes pâtisseries. Le choix était vite fait. Parlons sérieusement. Lequel tu préfères dans la classe ? Demanda Roman avec un regard coquin. Comment ça, physiquement ? Oui, quel est celui que tu trouves le plus à ton goût ? Continua Roman. Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment réfléchi, répondit Gwen gênée par la question. On est enfermé avec 5 beaux mâles et 6 si on compte le prof. Enfin, je ne dis pas que... Attends, le prof, lequel ? Pas du bon ou la planche quand même. Le prof de bio, répéta Roman. T'es en train de me dire que t'en pinces pour le prince. Il te plaît, dit Roman, les yeux ronds et la bouche blanchie par le sucre glace. Non, non, pas du tout. Mais c'était pour te reprendre. Sans ça, ta phrase était inexacte, tu comprends, tenta d'expliquer Gwen. Ah, d'autres, je ne te savais pas comme ça, ma chère Gwen. Tu m'avais caché ce petit penchant pour le corps professoral, la taquina Roman. Mais non, mais si tu me demandes de choisir parmi des garçons qui sont quasi tous plus jeunes que moi, le babysitting, non merci, dit Gwen en passant la main sur l'arrière de sa tête. Bon, je te l'accorde, sur ce coup-là, je reconnais qu'il est pas mal. Un peu trop intello à mon goût, et un tri dans sa garde-robe ne serait pas du luxe. Et du coup, toi, tu trouves qui de mignon ? Suggéra Gwen pour dévier la conversation sur quelqu'un d'autre. Juan est craquant, son petit côté solaire me donne envie de jouer des maracas, répondit Roman en se dandinant sur sa chaise haute. Les deux amis partirent dans un éclat de rire. Roman et Gwen se distinguaient beaucoup par leur goût, notamment en matière d'hommes, mais elles partageaient les mêmes valeurs. Elles planchèrent de nouveau sur leurs devoirs, après quoi Gwen regagna son logement, tandis que Roman avait rendez-vous au restaurant où l'attendait sa sœur, porteuse d'une bonne nouvelle. Et je pense que pour ce soir, on va s'arrêter là. J'espère que les deux premiers chapitres de ce roman t'ont plu. Personnellement, moi j'ai bien aimé et il me tarde déjà de lire la suite. Moi, tout ce qui est histoire d'amour et petit potin et ragot, j'adore, donc j'ai déjà hâte de voir si Gwen et son professeur vont avoir cette relation. Je sais pas si c'est très correct, une élève et un professeur, mais en tout cas, ça me rend curieuse et j'ai envie de savoir. Donc voilà, j'espère que ces quelques pages, ces deux premiers chapitres t'ont permis de passer un agréable moment, de te relaxer. Et j'espère que ma voix t'aura permis de t'endormir peut-être, ou alors juste de évader dans un monde différent. C'est ça qui est bien avec la lecture, je trouve, c'est que ça nous permet d'imaginer l'histoire comme on le veut et de donner vie à ses propres personnages, d'imaginer leur physique. Je trouve ça bien. C'est différent quand on se pose devant un film ou devant une série, on n'a pas vraiment la possibilité d'imaginer quoi que ce soit. Alors qu'un livre, je trouve ça intéressant de pouvoir créer. Mais bon, je vais pas t'expliquer le principe de la lecture. Je pense que tu connais. Bon, quoi qu'il en soit, je te remontre la couverture de ce livre. Voilà. Donc c'est La Vallée des Belles Rencontres de Jenny Richard. Le lien est en description si ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimerais plus de lectures chuchotées, si cette histoire t'a plu, si la façon dont j'ai lu t'a plu aussi. N'hésite pas à me faire un retour, je prends chaque conseil et ça me permet de m'améliorer, donc c'est avec plaisir que j'écoute tous les conseils. Quoi qu'il en soit, je remercie vraiment Jenny Richard, l'auteur de ce livre, de m'avoir permis de lire quelques pages ce soir et de nous avoir permis de se relaxer ensemble.
laisser dormir ou continuer ta soirée. Et je te fais de gros bisous. Je te souhaite de faire de jolis rêves si tu vas t'endormir. Et je te demande tout petit truc, c'est de prendre soin de toi. Je sais que c'est bête, je sais que je le dis souvent, mais c'est très important. Et parfois on oublie quand on vit dans un quotidien à 100 à l'heure. On oublie souvent de prendre soin de toi, de soi et de s'accorder du temps. Sauf que c'est important pour la santé mentale et pour se sentir bien au quotidien. Même si on n'a pas forcément l'impression de se sentir mal quand on ne le fait pas. Si on oublie trop souvent de le faire sur le long terme, on peut finir par se sentir fatigué, oppressé et... C'est bien de le faire, c'est bien de prendre quelques minutes pour faire une activité que tu aimes, pour lire un livre, regarder un film, écouter une vidéo ASMR, regarder une vidéo YouTube, peu importe. Ça peut être aussi sortir marcher, faire une promenade, faire du sport.